Bonjour, je m'appelle Arianna, j'ai 20 ans et je suis italienne. Je viens de l'Université catholique du Sacro-Cœur de Milan et je suis en deuxième année de licence langue et relations internationales. J'ai fait mon deuxième semestre en Erasmus à la faculté de lettres de l'Université de Lorraine. En fait, mon cursus il n'existe pas ici, du coup je suis obligée pour valider mon Erasmus à suivre beaucoup d'enseignements. J'ai fait de l'arabe, anglais, économie, relations internationales, géopolitique. Ça me donne beaucoup plus de boulot à faire que par rapport à chez moi, parce qu'en fait ici, une matière fait beaucoup de cours et surtout plein d'examens. Et surtout pour moi, ici, il y a la difficulté de penser et rédiger en français. Mais je suis tellement contente d'être ici, c'est la première fois que je quitte mes parents et j'ai dû beaucoup lutter afin qu'ils acceptent de me laisser partir. Mon arrivée à Nancy a été un petit peu difficile. En fait, mon train elle a eu du retard et du coup, l'accueil de la cité universitaire était déjà fermé. Et bon, j'étais paniquée, je ne savais plus quoi faire. J'ai dû choisir vite fait un hôtel près de la gare car j'avais deux valises trop lourdes, surtout plein de nourriture bio et des autres bêtises de ma maman. Et la nuit m'a coûté 100 euros. Quand j'ai eu ma chambre, j'ai découvert en fait que sur mon étage il n'y avait que des garçons et tous africains. Je n'imaginais pas que ça serait une véritable chance pour moi. Il y a Raïs qui est du Bénin, Gabi, Sénégalais, Tony, Congolais. Ils sont très accueillants mais ils abusent avec leurs plats africains, les oignons et les épices. Ça sent dans tous les couloirs. Ils m'ont aidé dans toutes les démarches administratives. C'est ma nouvelle famille. Comme la plupart sont musulmans, en fait, on parle beaucoup de la condition de la femme et de nos différences culturelles. Je suis venue ici pour découvrir la culture française, mais je vais repartir en ayant découvert la culture africaine. Et c'est aussi ça la magie de l'Erasmus. J'habite à la résidence Notre-Dame-de-Lourdes. Ma chambre fait 12 mètres carrés. J'ai une salle de bain et puis un réfrigérateur que pour moi. Et en plus, c'est tout neuf. Je partage une cuisine commune et aussi une salle d'études avec les autres étudiants de mon couloir. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis de ma mère, encore de la nourriture bio, mais bon, c'est sa manière de penser à moi. Je suis satisfaite d'avoir fait mon Erasmus ici à l'Université de Lorraine. Si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Vive la mobilité étudiante!